Bonjour à tous, c'est Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais de l'Afrique. Euh, le titre de mon live, c'est Le poison qui ravage la classe politique. Pourquoi je le fais Parce que depuis fort longtemps, euh, j'ai remarqué que des grands hommes politiques, bon, peu importe, hein, je veux dire un peu, euh, j'ai remarqué que beaucoup d'hommes politiques sont tombés au Gabon. Euh, simplement parce qu'il y a, y a des gens qui, tout justement, euh, ne sont pas d'accord avec ces personnes-là, même si elles étaient du PDG et euh, ces personnes étaient une, représentaient une véritable menace pour elles. Euh il faut qu'on dise les vérités. Nous devons dire ce qui se passe chez nous. Nous devons dénoncer ce qui se passe. Tout le monde sait que Raouiri Ray, a été empoisonné. Moi, je le sais. Tout, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire que ce que je dis est, est faux. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Même si Raouiri n'était pas un, un opposant, mais il a été empoisonné par qui? Par celui qui est au pouvoir. Si je mens, qu'on m'écrive que je mens. Attendez. Qui ne sait pas ça? Et il faut que les hommes politiques de l'opposition, soi-disant ou quoi, vous devez savoir une chose. Bongo n'est pas là pour vous, il n'est pas là pour euh, le peuple gabonais, il n'est pas là pour nous servir, il n'est pas là pour nous aider, il n'est pas là pour nous sortir de la pauvreté, il est là pour en finir avec les vrais gabonais. Il faut dire la vérité, parce que si on continue de fermer nos bouches, de ne pas dire la vérité, eh ben le malheur, le mal prend de la, de la place, la proportion. Disons les vérités. Voilà encore un grand monsieur qui vient de tomber. Ça me fait tellement mal. J'ai mal. C'est pourquoi je reviens. J'ai très mal. Je vous dis, ce n'était pas mon père. Je ne le connaissais pas particulièrement. Mais je, je respecte ce monsieur. J'aimais ce monsieur parce qu'il s'occupait des affaires de tout le monde, de mes affaires. Des affaires de ma maison c'est-à-dire il, il se préoccupait du bien du, du bien-être de tout le monde il voulait que les gabonais aient un meilleur vivre c'est pourquoi je reviens parler je ne suis pas de sa famille je le connaissais pas personnellement mais je respectais le travail que ce monsieur a fait je respectais ce monsieur c'est pourquoi je reviens parler peut-être aussi un jour quand je quand je vais mourir, il y a des personnes qui vont dire, oui, Suzanne Barra, c'était vraiment une femme, machin et tout. Oui, il y en a qui m'aiment, il y en a qui m'aiment pas. Mais le problème n'est pas là. Ça me fait mal. Lorsqu'on dit que la politique du système PDG, c'est une politique de sorcellerie. Ils sont là pour décimer. Les opposants ne comprennent pas. Restez avec le peuple restez écouter le peuple Lorsque nous au service c'est nous que vous servez si vraiment vous êtes de vrais opposants vous devez nous, nous écouter vous devez nous écouter écouter et non pas faire à votre tête des sorciers comme les maïla euh ceux qui ont qui ont vendu le peuple depuis des années j'étais jeune encore moi j'étais jeune je n'avais pas d'expérience dans le, dans le monde politique, mais j'étais déjà assez éveillée, assez intelligente pour comprendre que ce monsieur avait un problème. Tu ne peux pas te lever et dire, voilà, tu vas devenir président de la République, tu, nous as, tu as fait un projet et tout ça là, et puis soudainement, tu dis, non, est-ce que c'est encore ça hum, Je change. Mais il y a un problème. Le rôle de Mbabesol, c'était de faire en sorte que le peuple gabonais rentre dans la coquille, que le peuple gabonais ne se lève jamais, c'est-à-dire qu'on qu reste dans ce qu'on appelle la, le découragement notoire total. Qu'on soit, euh, comment dire ça, euh, qu'on qu ne qu s'intéresse pas à la vie politique. C'est-à-dire qu'ils nous ont enlevé le goût de défendre nos, nos intérêts à nos peuples. Il est venu pour nous aviler, c'est-à-dire que, intellectuellement, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à, à, la, à, à notre propre vie. Il est venu nous mettre du fouillis, le désordre, pour que le peuple gabonais ne s'intéresse plus à la vie politique. No c'est nos propres vies. Hein. Quand on parle de la politique, c'est quoi C'est l'organisation dans la cité Quand on ne s'intéresse pas, comment est-ce qu'on vit Est-ce que quand on vit là, est-ce que là on vit là, on est bien Est-ce qu'on est heureux C'est ça il voulait que tout le peuple puisse se désintéresser même de, notre, de, de, de sa propre vie, que chaque abonné se, se désintéresse de sa manière de vivre. Et qu'on soit assujetti au système que nous a imposé Bongo. La vérité, elle est là. Le poison, il est là. Ceux du système ont un poison qu'on appelle le cyanure. Qui ne le sait pas Qui ne le sait pas mais moi, je le sais. C'est avec ça qu'ils ont fini. C'est avec ça qu'ils ont empoisonné George Rahuri. Il était du PDG. Mais quand quelque chose se passe, quand un homme meurt, on a le droit de savoir pourquoi, qu'est-ce qu qui s'est passé. Rahuri a été rattrapé par les ennemis de, de son propre parti Il n'y a pas que lui, Ren Il n'y a pas que lui. Euh, comment l'appelle le l'ancien euh, euh, avocat Met Okawe Agonjo Okawe Ce sont les gens qui ont été torturés par ce système. Ces personnes sont mortes parce que elles luttaient contre le système mafieux. Mais les gens comme Ali Bongo. Celui-là, qui, qui est le, 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 le mercenaire, je le dis. Et beaucoup savent que ce que je dis est vrai et fondé. C'est lui. L'auteur de ces meurtres, de ces assassinats, de ces homicides volontaires. C'est ce monsieur. Et beaucoup le savent. Ils ne veulent pas parler. Ils ont décidé de décimer le peuple gabonais. Ils ont décidé de tuer des opposants. Ils ont décidé d'utiliser la ruse. Voilà encore un homme vient de tomber. Simplement parce qu'il n'a pas fait attention. Moi, je sais qu'il a été envoûté. Quand ils l'ont invité à cette mascarade de putain de conférence à la con. Il a été envoûté. Parce que cet homme est sorti du système. Il était virulent. Et il fallait en finir avec lui. Il fallait en finir avec ce monsieur. Et l'assassin de Maïla. s'est entendu avec Mbabesol. Babesol, n'est-ce pas Tu avais déjà pris la, la, la retraite. Qu'est-ce que tu es revenu encore chercher dans le monde politique Mbabesol. Tu avais déjà pris la retraite Comment se fait-il quelqu'un qui est en retraite il revient encore travailler Hé, hey, Mbabesol, moi je vous dis, si j'étais à Libreville là, aïe 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 C'est chez vous qu'on devait faire ça. Si vraiment il y a encore des Gabonais. Je pense que le corps de ce monsieur, on devait le prendre comme on a fait avec celui d'André de, de, Mbaobam. On a ça chez Maïla. On a ça chez Maïla. C'est lui. C'est lui cet assassin-là. Avec Mbabesol. Vous, vous allez me faire fermer la bouche. Depuis le premier jour, j'ai regardé la vidéo. Quand j'ai regardé comme ça, j'ai vu, ce monsieur-là n'était pas malade. J'ai. Même pendant que je parlais. Pendant que je parlais, ce téléphone-là, quand j'ai encore regardé comme ça. Vous croyez que tout le monde est, euh, 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 est, est possédé Vous croyez que tout le monde n'a pas la vie. Tout le monde est aveugle. Moi, je suis pas une aveugle. Hein? Moi, je vous dis, je dis souvent, le Seigneur me fait voir des choses, même pendant que je suis en live comme ça. Il y a des choses que je vois. Parfois, je me dis, c'est quelqu'un qui m'a écrit un message. Ce monsieur n'était pas malade. Moi, j'ai dit qu'il faut que la famille fasse l'autopsie. Parce que moi, je suis convaincue. Là où vous voyez Maïla assis, c'est la merde. Maïla possède un esprit de mort. Il est le destructeur. C'est lui qui va tuer tous les opposants. Vous tous qui pensez que Maïla a un, un discours de rassembleur. Non, il a un discours euh, euh, trompeur, charmeur, pour vous attirer vers lui. Et quand vous venez à lui, il va vous achever. Eh bien, tout cela a été bien préparé. On vous a dit, à est revenu. Qui ne sait pas qu'en ce moment au Gabon, il y, a des, il, y a des, il y a beaucoup de marabouts, il y a, de, il y a beaucoup de morts, euh, beaucoup de gens, des, des marabouts, qui, qui revient de l'extérieur, qui sont là au Gabon. Qui ne le sait pas? Les chrétiens sont où? Venez me le confirmer, où vous avez peur? Qui ne le sait pas? En ce moment, à Libreville, au Gabon, il y a beaucoup de marabouts. Qu'est ce qu'ils sont venus faire? Ils viennent c'est pour envoûter le peuple gabonais, ils viennent c'est pour envoûter les opposants, les gens qui veulent le bien-être social, ils viennent c'est pour diviser les opposants. Mais moi vous n'allez pas m'envoûter, et moi vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je vois, ce que j'entends. Voilà, un grand homme est tombé. Ils l'ont eu. C'est la ruse. C'est la subtilité. Parce que ce jour-là, s'il avait écouté, il serait pas mort. Et personne ne va nous empêcher de parler. Parce que nous avons mal de perdre un homme aussi valeureux. Un homme qui s'est battu pour nos droits. Il est mort. Empoisonné. Et on vient m'écrire que ça va déjà là-bas. Ah bon? Parce que vous n'avez pas l'œil? Ah bon? Parce que vous n'êtes pas au, au, au courant? Ah bon? Parce que vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu les allures là? Ils sont venus le chercher pour quoi faire? Ils sont allés faire ce truc là et huit jours après ils, ils meurent. Vous croyez que c'était euh, l'occlusion? Quelle occlusion? Occlusion de quoi? Et le pire encore c'est surtout la manière qu'on m'explique de 11h à 19h. De 11h à 19h. Depuis quand? L'anesthésie. Que anesth... vous voulez me faire, l'anesthésie a rencontré tout simplement le poison. Le poison était déjà installé dans son sang. Quoi? Vous voulez un dessin? Vous voulez un dessin? J'ai pas fait médecine, mais j'ai l'esprit de Dieu. J'ai pas fait médecine, mais j'ai l'esprit de Dieu. Qui m'atteste des choses, qui me montre des choses, qui m'atteste des choses, que oui, c'est ça. Un homme a été empoisonné sous vos yeux. Et d'autres passeront. Parce que eux, ils sont très subtils. Ils sont rusés. Maïla, l'ange de la mort, c'est Maïla, Mbabesol. Pitié de vous. Heureusement que votre place est en enfer. Votre place est en enfer, hein, Maïla. Parce que un comme toi, tu ne peux plus te repentir. Ta place est en enfer, Maïla. Tu n'as pas honte, Maïla. À qui le tour? Certainement, tu vas en finir aussi avec un, un bas. Après vous avez vu une photo qui passe là hein? Si vous voyez comment est-ce qu'ils sont placés Ils sont placés d'une certaine façon que en allant de en partant de la droite pour la gauche, c'est comme ça que c'est tombé. Je l'ai dit hier ou avant, je sais plus. Ça a commencé par euh, comment ça, ça comment est-ce qu'il s'appelait Samba. Après Oyonaba. Et après, c'est Jules. C'est pas que je le dénigre, non. Regardez cette photo. Et qui suis C'est Paul Mba. Vous savez, hein hum. Pitié des opposants gabonais. Pitié de vous. J ai, j ai, vous me faites de la peine. Parce que vous croyez aux histoires des à Parce que vous croyez aux histoires de Bongo, Alain... C'est un assassin. Un assassin est assis sur le fauteuil présidentiel qui nous a usurpés. Au lieu de l'enlever, vous allez faire les, les. Vous sortez de la coalition de, du président Jean Ping. Vous avez formé une. C'était une très bonne chose pour une fois l'union. Et pourtant, il est dit Union, travail, justice. Mais tant qu'il n'y a pas d'union, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de justice. Tant que vous n'arrivez même pas à obéir à votre propre devise, union, travail, justice, vous n'arriverez pas. Vous êtes désunis, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de justice. Pourquoi je le dis Simplement parce que un corps qui est divisé ne peut... Pas, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Vous voulez délivrer tout un peuple. Mais si vous êtes divisé déjà, ce n'est pas possible. Vous avez fait une belle, une bonne coalition. Et après, tchou, ça a commencé à sortir. Tchou, ça a commencé à partir. Tchou, voilà, des déclarations ainsi à, à gauche, alors que votre ennemi, notre ennemi à tous, c'est le système PDG, que beaucoup ont servi. Beaucoup parmi vous, vous avez des secrets. Beaucoup parmi vous ont participé à des, à, 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 à des meurtres. Beaucoup parmi vous ont participé à la corruption. On s'est dit bon, euh, on va d'abord enlever ce monsieur-là et puis rétablir les choses. Il faut d'abord rétablir la vérité des urnes. Justice doit être rendue. Il faut que on sache les personnes qui ont fait massacrer le peuple gabonais. On a un grand problème. Mais non, on voit les bons monsieur qui sortent. Ils repartent vers leurs vers les vomis. C'est quoi ça Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes Maïla était le premier tchou. Moi quand je le regardais, je ne le voyais pas comme quelqu'un qui avait changé. Moi je l'ai vu là-Paris. J'ai dit je vais, faire, je vais faire publier trop de choses. Maïla, écoute-moi bien. Tu es le serviteur de Satan, mais tu vas le récolter. Tu, as, tu ne peux plus changer. Parce que tu as tué assez de monde. Et tu vas passer toi-même. Mais ta place est en enfer. Parce que tu es le serviteur. Tu es maïla si faire. Maïla si faire. Maïla si un Mba si faire. Donc, euh, le peu là. Ah t'es micro. Moi, je vous ai dit d'arrêter avec l'histoire des micros. J'ai commencé à faire les lives là il y a euh, euh, je crois il y a deux semaines. Je vous ai dit laissez les micros rentrer dans la résistance. Voilà, on se retrouve avec un père, un homme de valeur, un homme de courage. Hum, mordant les bras. Avec votre poison de merde. a dit de laisser les micros. Je suis venu m'asseoir là. J'ai dit, laissez les micros. Laissez les micros. Le micro revient à ceux-là, nous qui crions, l'île est ici. Laissez les micros. Laissez les histoires de causerie. Laissez. Laissez ça rentrer dans la vraie résistance. Laissez. Laissez. Laissez les histoires de micros. Beaucoup sont morts à cause de ça. Beaucoup ont été empoisonnés par le, les mêmes gens, par la même personne, par la personne ville, venue du Biafra, avec Akrombesi, sa bande de tueurs d'assassins. Comment je vais apprendre à mes pères qu'il faut faire attention? Comment? Comment? Comment vous qui avez servi ces gens-là, vous qui étiez au système PDG, vous saviez très bien comment ça se passe, vous le savez, et vous venez encore blaguer avec eux. Après, je vois des gens. Michel Menga, je vais commencer par toi, je reviens encore. Tu es parti t'asseoir, si c'est au ministère de l'Intérieur, chez Mata ou Kila. Mais j'ai rien compris. Mais, mais vous prenez pour qui? Mais ils vont vous finir. Tout ce qu'ils sont en train de faire, dialogue, venez, on va s'asseoir. Oh. Venez, on va discuter, oh. Ah ok. Venez, on va discuter, oh. Venez, on va discuter là. C'est là, quand vous venez vous asseoir, ils vont prendre un tchou. Oui, venez, on va encore faire comme ça. Oh. Tchou. Euh, venez, oh, tchou. C'est petit à petit. Ils vont vous finir ne petit. Parce que vous ne voulez pas résister, vous ne voulez pas être ferme contre eux. Quand on rentre dans un combat, on prend, on, on regroupe toutes les armes possibles. La discipline La discipline Il faut être discipliné. Les opposants gabonais ne sont pas disciplinés. Vous êtes euh, en pêle-mêle. Vous faites votre... Je sais pas si c'est le combat, votre politique, je sais pas comment je peux la qualifier, la politicardise, politi là. Vous la faites en pêle-mêle comme ça, là, avec des sillons pourris. Vous n'avez même pas le discernement, vous n'avez pas l'oreille. On vous dit attention et hey, nos paix. C'est quoi Mais repentez vous alors, puisque beaucoup d'entre vous, vous avez fait des choses qu'il faut pas faire. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les loges. Alors, beaucoup, beaucoup là, beaucoup. Parce qu'on ne veut pas rentrer en profondeur, oh, sinon on va vous dépouiller. Mais on s'est dit, bon, 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 euh, terminons d'avoir avec ça, et puis après. est-ce qu'on ne connaît pas vos vies, vous pensez que Dieu ne nous montre pas ce que beaucoup d'entre vous vous faites Les opposants comme ça. Des servis, beaucoup sont serviteurs du diable. Vous voulez nous faire avaler tout ça? Hum. Voilà. Ça continue. La liste, elle est longue. Et le poison continue. Depuis Rahuri. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont. J'ai compris. Ils ont, ils ont, ils ont empoisonné Rahuri. Pendant qu'ils ont mangé. Ils ont mis ce poison-là dans l'assiette. On continue. Vous savez ça. Beaucoup de Gabonais savent la vérité, là. Vous connaissez. Euh, il est passé. Euh, Renjembe, ils ont fini avec Renjebe. Ils ont commencé par lui d'abord. Ils ont fini les autres. Ils ont pris ont aussi la maman, là, qui était euh, au Sénat, celle qui était présidente de la République, qui a, qui a joué les intérims, là. Elle aussi, c'est vous, les bongo, Alain. Au même. C'est toi qui as fini avec elle. A fini avec elle. Même, même notre général là, il les croit. vous avez fini avec lui. Pas fini avec lui. Ils ont fini avec lui. C'est comme ça qu'ils font. C'est-à-dire vous servez, vous servez, vous les servez. Après à un moment donné, Quand ils voient que, hum, faut maintenant finir avec le papa là ou la maman là. Parce que on, y va, non, il faut. Parce que eux ils sont pas gabonais. Ils tuent les gabonais là parce qu'ils, non, ils sont venus pour ça. Ils sont venus pour eux, eux, exterminer les gabonais, les vrais gabonais qui veulent le bien-être social. Allez, hop, les managers ont fini avec lui beaucoup. La liste, elle est longue. Qui est étonnée là Ne vous étonnez pas, si c'est la vérité. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. On coupe même d'abord les séquences. Je coupe ça comme ça, je coupe. C'est quoi ça Mais c'est grave depuis fort longtemps. Ce n'est pas que ça devient grave. C'est grave depuis fort longtemps. C'est grave. Ils sont allés chercher le poison là chez les Russes. Tu ne connais pas ça qui ne le connaît, qui ne sait pas ça, sauf ceux qui, sauf, sauf ceux qui sont pas, au, qui sont pas gabonais. Vous avez fini avec, euh, on appelle euh, euh, Edith Lucie Bongo, qui ne connaît pas que vous à Kromesi avec Alain. C'est vous qui avez fini avec la pauvre fille. Vous pour le pouvoir. Donc et opposant manioc opposant banane ou opposant euh, Tarot, Opposant foufou, ouvrez vos yeux, vos petites oreilles. Mais si vous-même, vous ne priez pas déjà, vous allez faire des rites à la con, ils vont vous avoir. Continuez à aller vous asseoir avec eux. Quand ils vous disent venez, on va faire ci, continuez à aller vous asseoir avec Maïla. Continuez. Continuez à croire que Maïla, c'est quelqu'un. Maïla, c'est le petit frère du démon. C'est Maïla Sifère. Maïla Sifère. Maïla Sifère. Il va, il va, en, il va en amener tout le monde fou. Tous ceux qui ne sont pas, euh, euh, comment on appelle ça? Qui n'ont pas le discernement. Il va vous prendre tous nos piouf à Pian. Ah, moi, où ouais. C'est est parti, La liste est longue. Et vous voulez qu'on se taise? Maïla. Devil. seul Devil. Au service de qui? Alain Oduku. Avec Akrombesi. Je répète encore, t'es Moi, je veux plus te voir avec le micro. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. On veut plus te voir avec le micro. Et si tu as le micro, tu dois avoir ton propre micro à toi-même. Tu dors avec ça. Tu gardes ça. Et puis parler, mais je suis pour lui, je suis pour lui, je suis C'est ce qui va délivrer le Gabon. On est obligé de parler tout le temps. On est obligé de faire des déclarations. On a besoin d'un chef de la résistance au Gabon, des obéissances civiles. Pas des déclarations, déclarations, des déclarations. Moi, je vous ai dit, laissez le micro. Michel Mengar, à côté de aussi. Chambrier où Chambrier où À Chambrier, faut continuer. Continue de faire la politique de l'Autriche. Tu vas passer. Tu vas passer. Continue à faire l'hypocrisie que tu fais là. Ils vont te prendre aussi, d'une manière ou d'une autre. Vous allez passer. Comme vous êtes tous aveugles, que Bongo est là pour vous finir. Mais on nous on viendra seulement pour pleurer. On viendra faire seulement les lives comme on fait là en criant fort. On viendra seulement faire les lives qu'on fait là. Entre temps, vous serez déjà morts pour rien. Continuez à blaguer avec eux. Ils ne jouent pas avec vous. Ils sont là pour pour vous décimer, pour finir le peuple gabonais. Ils sont là pour finir le peuple gabonais. Et vous allez vous asseoir avec eux. Ou faire quoi? Les législatives, tout ça, c'est, c'est, la mascarade, c'est la diversion. C'est rien du tout. Vous voyez pas comment est-ce que le président Jean-Ping est assis, c'est un homme. Il est calme. Mon président, euh, respect. Voilà l'homme. C'est un homme comme ça qu'il nous fallait. Vous voyez? Il est zen parce qu'il connaît. Vous êtes dans les quartiers en train de faire les causeries. Et c'est dans ces micros-là, ils vont vous foutre de la merde. Après, nous, on viendra Oh, ripe, au oh, ripe, on viendra pleurer. Ah bon? Donc, vous êtes levés, là, pour qu'on en passe notre temps à vous pleurer. C'est ça? C'est ça, l'élite politique de l'opposition? C'est ça? Vous n'avez plus les yeux, vous n'avez plus de, vous n'avez plus de discernement. Vous allez vous asseoir avec eux. Vous allez manger avec eux. Vous allez rire avec eux. Ce sont vos ennemis. Alain Bongo, avec son équipe d'Akrombesi, ils ont emmené beaucoup de, de marabouts, de démoniaques, d'enchanteurs, pour en finir avec vous. Pour en finir avec vous. Vous pouvez envoyer vos gens pour m'insulter. Je m'en fous. Mais je dis la vérité. Et voilà, on se retrouve encore en train de pleurer. Le même poison. Le même poison plus le temps de rompre père. Ils continuent. Continuez continue à jouer avec eux. Ils vont vous mettre toujours dans le sous la terre. Avant le temps. Si vous, vous vous battez pour le, le peuple que nous sommes, et le peuple vous avertit que vous n'avez pas le droit d'aller vous asseoir avec les assassins dans nos fils. Maïla, c'est un assassin. Ma bosse, ils sont tous pareils. Un chambrier, t'inquiète pas. Tu as envoyé Michel, mon Il n'y a qu'un a aussi, Il n'y a qu'on tombe, ouais, mais là mais vos mecs qui mettent au monde pourri. Hein? Vos voitures, les vont vous empoiser, vont vous mettre ça sur les portières quand tu viens ouvrir comme ça, là. Vous êtes ça. Et ça va venir partout. Même nous qui sommes ici, depuis deux ans. Je crois que c'était notre deuxième ou troisième sortie comme ça au Trocadéro. J'avais déjà parlé de ça. Un policier qui m'avait dit ça. Attention, il y a un poison. J'avais déjà parlé de ça. J'avais déjà parlé de ça. J'ai parlé de ça. Je ne sais pas où j'ai mis ce pull-là. Ce jour-là, j'ai marché. Sous le soleil, j'avais le pull sur moi. Je me suis dit Ah, si ça arrive, le temps que ça rentre sous la peau là-bas. Ça va quand même atténuer. Moi, c'est la police qui m'avait dit. Ce monsieur m'a bien. Je le reconnais. Je sais qu'il sait. connaît. Et à plus forte raison, vous qui êtes là-bas, au front. Aïe! Oyou! J'ai tellement mal. Comment des papas comme ça peuvent devenir comme des enfants? Mais c'est vrai qu vous, euh, que, que ces gens-là vous. Euh, qui font des incantations, ça c'est vrai. Oui, sérieusement, je me rends compte que ces gens-là font des incantations, parce que je n'arrive pas à comprendre que des papas qui ont servi le, le système, qui ont vu comment bo les bongos, là, ces gens-là agissent, comment ils savent très bien que c'est Alain, Alain Bongo, Alain, Alain Oduku. D'abord, Alain Oduku, son travail c'est de tuer les, 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 tous les amis de de son père adoptif. Qui ne connaît pas ça? Dixon est où? Rayuri est où? Edith Lucie Bongo est où? Celle qui était présidente euh, euh, intérimaire en 2009, elle est où? Vous savez ce qui est arrivé à cette dame? Et puis ce qui est bizarre, c'est que y a des, les familles, ils savent ce qui s'est passé. Ils ont peur. Ils rentrent dans la coquille. Ils ont peur. Mais vous savez pas qu'il faut dénoncer le et le calaba. Avec ses amis, ils ont le poison. Ils vont finir les vrais gabonais. Parce que leur objectif, c'est tout justement finir les vrais autochtones, les autochtones. Voilà. Si vous l'oubliez, moi, je viens juste vous rappeler Oh, Je suis juste là pour vous rappeler. Je suis sentinelle, je viens juste vous rappeler, attention! Attention! C'est pas parce que, on fait un rêve que, ce rêve-là, euh, ne prendra pas fin. C'est pas parce qu'il fait nuit que cette nuit-là, parce qu'elle est longue que le jour ne va pas arriver. Attendez! On rêve ou quoi? Eh, il y a un dans <t 'un> micro, hein! Mais bon, mais live contre toi, à braque dans un micro! Braque dans un micro! Donc madio miazo va na botata braka na mi komika wok. Mi bimiminto kuva kuva kubi tova nebi. U briaka a a te rondon. U briya na mi croyena mi Voyez pas comment le le président il est. Hein Hein Donc c'est nous qui allons continuer de pleurer. Ah bon Donc en fait, vous êtes levé pour aller vous sacrifier bêtement. Un chambrier. Chambrier fils. Hein? N'est-ce pas? T'as envoyé ton émissaire euh, parce que toi-même, tu as peur d'aller t'asseoir. Quand on ne te voit y aller t'asseoir au ministère de l'Intérieur, tu as envoyé Michel Menga. Tu te cas derrière les représentants. Mais il t'a représenté. Il faut encore l'envoyer. Je vais vous insulter. sang. Même si tu ne comprends pas ce que je dis, je m'en fous. Tu es Gabonais. C'est quoi la honte là que vous nous faites là? les chercher quoi chez les matas, les quoi les quoi là les faire quoi là bas vous savez pas que quand ils vous appellent comme ça ils sont préparés on fout la merde et après nous on va pleurer arrêtez un peu là oyemba oh, hein au atoyemba oh oui sont bi oui oh, hein oui sont bi oui son bi oui bi wa wa "wa kuwa toma na kalbata a wia amani wanen a vin abri a vin Ali li ewa wa o elu utiri wozana abra kwa wan dung buin dung 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 bres watiebu wan mame dia logi amalejitivwa o elu ut nee yinibikom minaya vous êtes quand même nos pères? On vous doit du respect, vous nous devez aussi du respect. Quand ça va plus, on, les, 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 les enfants, les plus jeunes, on est obligé de crier sur vous que c'est quoi ça Vous voyez pas ce qui se passe là Comment vous pouvez aller vous asseoir sur la même table qu'un assassin Vous avez oublié tout ça Il a tué Raouri ou Oyemba. ou Tu ignores Amo est passé comment Qui ignore ça Qui l'ignore Qui ignore, ignore qu'Amo est mort Qu'il a été empoisonné plusieurs fois qui l'ignore, qui ignore ça? Qui ignore que le poison là travaille? Qui ignore que... Non, non, Oyemba, Ngongo, pardon, viens me répondre. Ça, il y a le bien. Il y a bien. Il m'a dit, Moi, Je Quelle honte. des papas comme ça. Il faut encore aller t'asseoir. Comment est-ce qu'on appelle. Euh, 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 comment on appelle ça?

Mais c'est quand vous sortez, quand vous dit non, on n'est pas d'accord avec vous. On vous doit du respect, c'est pourquoi d'ailleurs on parle. L'objectif, c'est de chasser Ali Bongo et ses gens. L'objectif, Bongo Alain a perdu les élections. Il doit être jugé, lui et ses amis. La CPI doit continuer les investigations. Bongo doit être puni, lui et tous ses complices. Et le pouvoir doit être remis à l'élu du 27 août 2016 qui est champignon. Voilà ce que vous devez vous occuper. Que d'aller poursuivre le petit lève qui est passé là, qui, 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 qui n'a plus de poils sur lui. Une fourmi est passée là. Voilà, c'est ça la solution. Comment vous pouvez être aussi euh, 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 dispersé vous faites quelle politique Hein, les hommes politiques gabonais, là? Les intellectuels. C'est la politique cardise. Moi, je n'ai pas fait votre politique là. Mais j'ai quand même le discernement. C'est quoi Vous sortez des rangs, vous allez vous retrouver de l'autre côté. Vous suivez Maïl. Je ne parle même plus de mezo. Lui, là, vraiment, je ne sais pas. Lui, 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 je ne, je ne sais pas ce qu'il faut dire à ce monsieur. C'est quoi Vous avez peur de Joukou Il meurt Il y a quoi C'est quoi ça Vous êtes à gauche. Vous vous êtes dans le bal des vampires. Et tant que vous êtes dans ce bal des vampires, nous, on ne va pas vous respecter. On va vous ramener à l'ordre parce que c'est nous le peuple souverain. C'est vous qui êtes venus nous provoquer. Vous êtes venus nous dire Eh, hey, il y a les élections, vous savez, il faut voter Jean-Ping. Et toi, Oyemba, tu as dit Non, je me mets derrière Jean-Ping. Et le, le Ndouba a dit Eh, hey, je me mets derrière Jean-Ping. Le peuple est où Venez le voter. Donc, en disant ça, vous nous avez portés. Vous allez nous subir. Parce que vous nous avez invités au, 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 au vote. Alors qu'on a dit, on ne veut pas voter. C'est pas fiable. On sait que la machine électorale, elle est fausse. On a dit non. Pas d'élection pas avec Ali Bongo. On l'a dit. Moi, j'avais ma banderole. Eh ouais, mais vous nous avez convaincus de venir. Moi, ce que je craignais, c'est de voter et de voir encore, de me faire voler à nouveau. C'est ce que je ne voulais pas. Et vous nous avez dit non. Voilà où Mais nous sommes aujourd'hui Vous-même, vous avez sauté le bateau. On est tous des naufrages maintenant. tu sonnes. vous pensez qu'on va vous laisser On ne va plus parler, mini vous avez menti, vous nous avez cherchés et vous nous avez trouvés. Et voilà, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous la cible. Ils vont vous manger tous à piap. Ils vont vous manger, ils vont vous sacrifier tous nos piap, ils vont vous empoisonner tous nos piap, ils vont vous ruiner tous nos piap si vous ne faites pas bloc derrière le président Jean-Ping. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Si vous, en politique, vous ne vous retrouvez pas autour du président Jean-Ping pour faire réellement un vrai combat, pour récupérer notre victoire qui a été volée par Bongo, vous allez tous passer le pire. Est-ce que vous m'entendez bien Vous m'entendez Qualifiez-moi de tout, mais je dirai toujours la vérité et le peuple, ceux du peuple, sans témoin, ceux qui écoutent, qui suivent mes vidéos, savent que ce que je dis est sensé. On est d'accord? On est d'accord? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais malheureusement, petit à petit, Oduku, venu d'Ibiafraie, est en train de décimer les opposants, comme il a décimé le peuple. Quelqu'un qui a tué les Gabonais, il a tué les Gabonais au vu au de tout le monde. Vous le savez, tout le monde le sait, on a des vidéos, on a des preuves. Et vous osez aller derrière lui parce que vous pensez qu'il a changé. Vous pensez que franchement, il est devenu pur, mais qu'est-ce qui Oyemba, papa Oyemba, dibawa, Est-ce que tu peux me dire Tu peux me dire Oyemba, vraiment un homme de valeur, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive Mais qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ne me signalez pas la vidéo. C'est les problèmes de mon pays qui me font parler. Je dis les vérités. Je vais avertir. Les opposants manioc là. Qui pensent qu'en allant se cacher, hein, sous la veste de Bongo, tout ira. Quand on est opposant, c'est jusqu'à la lit. Quand on, on fait votre face, on ne revient pas en arrière, on ne revient pas prendre les vomis. Un vrai opposant, c'est quelqu'un qui dit non jusqu'à la fin. Faites comme Jean-Ping, faites comme son excellence. Faites comme lui. Vous avez cru qu'ils ont changé. Vous avez vu un, un jour le diable changer Il a toujours eu les mêmes tactiques. On dit toujours, il est dit, hein, la vérité dans la bouche du diable est mensonge. Donc, tout ce que les opposants, pas les opposants, tout ce que les envoyés d'Ali viennent vous dire à vous, les opposants, si vous croyez à ça, vous allez vous faire prendre. C'est ce que je viens vous dire. J'ai très mal au cœur ce matin. Depuis que cette nouvelle m'a été donnée, depuis que je l'ai lue, mon cœur est brisé. Et vous voyez que la liste est longue. Il continue. Oui, je suis en live. La liste, elle est longue. Et tant que vous allez nous minimiser, nous qui sommes vos petites sœurs, nous qui sommes vos enfants, nous qui sommes vos, euh, 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 vos électeurs, tant que vous allez nous minimiser, vous allez vous, vous, allez vous buter. Voilà. Continuez. Oyemba, vous continuer. Moukani Wangu, moi je ne parle même plus de ça, je ne sais même pas où tu es. Il faut continuer. Continuez à comme ça. Continuez comme ça. Vous allez voir. Continuez. Continuez à aller faire les discours à la con. Continuez, au lieu de vous, de vous concerter, au lieu de rester autour de président Jean Ping et de tout faire, de mettre tout en place pour bousiller ce système, pour récupérer votre victoire, vous préférez jouer au lâche, vous allez vous asseoir, à faire des, des, ceci, des cela. Quelle honte, honte, honte à vous, honte à vous, opposants. Honte à vous, opposants, parce que c'est vous les cibles. Euh, euh, Sylvain vous l'a dit la semaine dernière qu'il y a quatre. Vous allez passer. Voilà, ça a commencé. Et vraiment, j'ai très mal au cœur. Mais je te dis à Bongo. À Bongo. À Mayila. À Mbabesol. À Mubele. Au Tonga. Marie-Madeleine Morancho. Tous ces gens-là. Les Bilebinze. Toute la bande des assassins-là. Ne vous inquiétez pas. Dieu va vous frapper au temps convenable. Continuez de prendre ceux qui sont... Euh, ce, 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 parce que je sais que vous vous pratiquez la sorcellerie, vous êtes avec le diable, donc vous envoûtez les gens. Continuez d'envoûter, hein. Mais un jour ces gens-là seront désenvoûtés. C'est vrai que vous allez faire beaucoup de choses. Je sais, je sais ce que, je sais ce que le Seigneur m'a fait voir. Oui, c'est votre temps. Faites. Mais le, le jour l'arrive quand Dieu va vous mettre la barrière là, vous ne pourrez plus. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tuer son ennemi. Il y a un temps pour vaincre son adversaire, peu importe sa taille. Un jour, David a vaincu Goliath, mais personne n'a su que ce jeune homme pouvait tuer Goliath. Israël était sous le choc des, des, des Philistins. Ça a mis du temps, mais un jour est arrivé. Cinquante et un ans, une même famille au pouvoir, mais un jour. Deux dix-huit, ça ne finira pas. À tu vas capsailler, toi et tes amis, vous allez partir vous allez finir ne vous inquiétez pas vous toujours arrive je le dis in the name of jesus vous toujours arrive continuez de décimer les opposants continuez d'utiliser les gens pour empoisonner les gens continuez faites votre travail satanique faites votre travail satanique mais je vous dis moi je continue de faire mon travail de citoyenne je dénonce je dis à bas le système bongo à Bamayila, à Bambasol, à Babilibinze, à à bas le système PDG. Vous avez perdu les élections. Vous avez perdu les élections. Restituez la vérité. Restituez la vérité. Akromessi, à bas Vous êtes des assassins. Vous avez tué les Gabonais. Eh Mimboto, c'est Mimboto qui reste. Mimboto. Mimboto, ceux qui sont partis du pouvoir bongo là, pendant le vivant de bongo. Le seul maintenant, c'est Mimboto. Et vous continuez de, 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 de jouer ce, 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 ce jeu de chat la souris avec le peuple. Vous êtes incapable de vous positionner sérieusement et dire non, on en finit. Donc vous jouez le jeu du, du pouvoir. C'est pour... Moi, je comprends pourquoi beaucoup de jeunes me disaient ça. Ah, tantine, c'est cet homme là. Que vous voyez là vraiment il joue le jeu du pouvoir. Ah ouais, les enfants avaient raison. Ah ouais, ces jeunes avaient raison. Mmh. C'est ça, continuez. Continuez. Mais je sais que vous faites tout ça, c'est pour que le peuple puisse se désintéresser de, 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 change, de son changement, pour qu'on soit découragé, pour qu'on ne s'occupe plus de notre bien-être, pour qu'on les laisse faire, on, on soit découragé, on soit là à pleurer. Seulement, on est là. Ah mon Dieu, on va encore faire comment. Vous voulez qu'on reste... On va encore faire comment Oui, on vit. Euh sous, sous, sous le joug euh, du, du sataniste euh, Alain Bongo Djokou, avec ses amis les Mogabo, parce que eux ils boivent le sang humain, hein, ils mangent la chair humaine, eux, ils sont là pour le mal, parce que ce sont les serviteurs du diable, du Satan. Oui, ils ont vendu le, 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 le Gabon, et ils vendent les Gabonais à Satan pour se maintenir au pouvoir, et beaucoup d'opposants jouent ce jeu-là, parce que tous aussi, ils vont boire le sang humain, mais ne vous inquiétez pas. Nous, les Landas, on prie le Seigneur, nous, les Landas, on reste debout, faire, nous disons, abat tout ce que vous êtes en train de faire. Ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Vous tous, vous allez passer. À Maïla. Maïlo, Tu sais très bien que ce que je dis est fondé et c'est la vérité. Vous avez tué, vous avez empoisonné notre père, ce grand homme, j'ai cité Jules. Aristide Bourdès au Kende. Ce monsieur que je respectais. Oui. Amaïla, je fais le live à visage découvert. Si tu veux, tu me portes plainte. C'est ce que je veux d'ailleurs. Porte-moi plainte. Porte-moi plainte que Suzanne Barra dit que c'est moi. Je sais que c'est toi, Sol. Les envoyés. Dallan Oduku, vous avez ce poison russe avec vous. Le système Bongo PDG a ce cyanure-là depuis. Ils l'ont. C'est avec ça qu'ils finissent, ses opposants. Ceux qui sont même avec eux dans leur propre camp, quand ils voient déjà que ça commence à ne plus... Euh, ah non, on dit, le gars avait veut déjà nous lâcher. Ils mettent tranquillement. Je veux bien. Je veux que tu me portes plainte. Uh -huh. Je dis, je veux que tu me portes plainte, Mayila. Porte-moi plainte. Envoyez ce, ce live, je vous en prie. Ce live doit arriver entre les mains d'Odjoukou, entre les mains de Mayila, de Mabesol. Je le dis, c'est vous, les assassins. C'est vous, les commanditaires. C'est vous qui avez le cyanure. C'est vous. Voyez bien que je parle, j'écarte. Si bien mes yeux, je suis bel et bien là. Suzanne Barra parle, je dis. C'est vous. Je ne vous accuse pas, mais je dénonce ce que vous avez fait et ce que vous avez l'habitude de faire. C'est vous qui empoisonnez tous ces grands hommes qui sont tombés, toutes ces grandes figures qui sont tombées, qui ont été au PDG avec vous. Oui. Je ferai la liste. Il faut que Maïla ait ce live entre ses mains. C'est lui l'assassin, c'est lui le prostitué de la République Maïl, le serviteur de Lucifer, Maïl Mbabesol. Ils sont venus tout droit de l'enfer, ce n'est pas des vrais hommes, c'est des démons chers. ils sont venus traumatiser le peuple gabonais. Et j'invite tous les hommes de Dieu, ceux qui sont, ceux qui sont vraiment serviteurs de Dieu. À prier, continue toujours de prier pour le peuple gabonais pour qu'il soit désenvoûté de ces envoûtements que procèdent les Mayila et consorts là, tous les marabouts qui sont au Gabon en ce moment-là, tous ces marabouts là. Il faut que Dieu nous vienne en aide. Il faut que le peuple gabonais se lève. Faites attention, c'est la racaille, Mayila. Et il y a des mots que j'ai envie de dire, mais... Mon cœur dit non, ne dis pas ça. Ah, c'est vous. Magilembabe Babesol, c'est vous deux là. Annemina Bebeye, vous deux. Et Killerman. Vous êtes des tueurs à gages. Du système Bongo PDG du Oduku. C'est vous. Je le dirai au effort. Voilà. Et les autres boule d'opposants la continuez à les suivre. Continuez à les vous asseoir. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant parce que le live il a été long. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont suivi et ceux qui suivront après. Considérez-le, c'est la vérité. Le cyanure, c'est le cyanure qui tue les opposants au Gabon. Merci à tous. Ali Bongo, dégage.